Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau truc, un nouveau système qui permet de faire des bonnes copies et tout. Ça s'appelle Word Edit, donc ça ressemble à ça. Je vais vous montrer à quoi il ressemble ce logiciel. Donc, il est ici. Ah, c'est ça. Donc, voilà, vous voyez bien qu'il n'apparaît pas parce que c'est pas censé apparaître. Donc vous avez le truc ici, tout simplement, toutes les options ici pour faire les screenshots et tout. Enfin, tout fonctionne, j'ai tout testé. C'est pour ça que j'ai prévu de vous faire une vidéo de ça parce que je trouve qu'il n'y en a aucune qui est française. Alors après, je sais que c'est pas pratique comme je fais. C'est même très très désagréable pour ma part parce que je dois filmer et je bouge et tout et c'est chiant. Enfin, c'est déjà très très désagréable pour faire quand on fait des vidéos, mais bon, j'ai pas de trépied. Je en acheter un sûrement, je sais même pas si ça existe en Belgique, des trépieds pour GSM. Si ça existe vraiment, bah, ce serait génial parce que sincèrement, qu'est-ce que ça me faciliterait le truc. Donc je vous montre tout simplement, donc désolé si ça devient flou. Donc je vous montre tout simplement ma ville. Donc voilà. Enfin, ce que j'ai commencé à faire. Donc vous voyez, c'est super sympa. C'est ce que j'ai fait pendant que j'étais occupé à créer tout simplement. Ben, à créer quoi, tout simplement. Ouais, ça va pas gêner, ça va. Donc, non, ça va, ça gênera pas. C'est rien, je parle tout seul. Voilà. On va visiter ça. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait avec ce logiciel-là. Donc, avec Word Edit, j'ai fait ça. C'était copier-coller. Non, avec celui-là, c'est l'autre. Avec celui-là, c'est. En fait, les débuts de base, je dis des conneries, mais excusez-moi, mais c'est pas facile non plus. Voilà. Ça, j'ai fait ça avec le Manbot. Mais après, les copier-coller, donc les copier-coller, c'est avec Word Edit. D'ailleurs, je l'ai raté ici, comme vous voyez. Comme vous voyez ici, ben. C'est. Je vérifie un truc. Comme vous voyez ici, tout simplement, ben, le truc est. Comment vous dire? Allez. Attendez, je retire un truc. Le truc est surélevé par rapport aux autres. Donc, je peux vous montrer ça un peu plus près. Regardez par vous-même. Regardez, c'est surélevé. Parce que le bazar n'est pas. J'ai mal mis en fait, il faut se mettre sur un bloc pour le il faut pas se mettre sur un bloc pour le copier-coller en fait. Et moi je me suis mis sur un bloc. Donc du coup, j'ai foiré la copie, mais après j'ai refait et tout a bien été allé, tout est bien réussi quoi. Donc maintenant, je vais vous montrer l'intérieur avant de continuer et de faire les explications. Ça va être assez chaud. C'est un challenge, un test, un challenge, je sais pas dire challenge, enfin soit, c'est un test en soi que je vais faire, une tentative de vous faire visiter mes zones, déjà avec la difficulté de tenir un GSM. On peut vraiment me donner une coupe parce que c'est hyper chaud. Bon, après c'est même partout, donc dès que j'ai atteint un niveau, c'est même pour tous. Donc voilà à quoi ça ressemble intérieurement. Donc ce truc-ci intérieurement, ça ressemble à ça. Voilà, vous voyez, c'est très beau, hein, avec les effets de shaders en plus, avec les herbes, c'est assez agréable d'aller dans ce genre de lieu d'habitat. Donc voilà, c'est le premier building que j'ai fait. Donc c'est pareil pour tous les autres étages, hein, puisque c'est une multiplication que j'ai fait avec le manbot. Donc du coup c'est même pour tous. Ça changera rien. Donc si je me gourre, ça va pas. Pourtant je vois où je vais, hein, sur. Enfin, c'est parce que c'est pas vrai. Voilà, il descend, on attend.
Donc le sol, je l'ai pas fait parce que c'est comme beaucoup de gens l'ont expliqué. Si vous faisiez avec un man bolt le sol, il va doubler le truc. Après, moi, je m'en fous un peu, mais bon, moi, j'ai l'habitude de pas le faire du coup. Donc ici, je vais vous faire visiter la deuxième version, donc la deuxième l'immeuble tout simplement. Donc désolé pour l'instant, ce sera toujours comme ça les vidéos. Je peux pas faire autrement. Hop. Vous voyez bien à quel point je galère. Donc ici, là, à l'intérieur au début, c'est pas très beau parce qu'on n'a pas le sol approprié pour donner un style. Mais attendez, on va monter tout en haut et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc faut un peu attendre, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a des monstres. C'est bizarre. Ouais, bon, il y a des monstres. Je sais pas pourquoi. Bienvenue chez moi, les monstres. Option, je sais pas pourquoi il y a des monstres. Ah, voilà pourquoi. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble. Donc ça, c'est mon le dixième étage, le cinquième étage que j'ai rempli tout seul moi-même. Ah ouais, je vois le défaut ici maintenant. Donc ça, je modifierai plus tard. Donc vous voyez bien que c'est très très beau. C'est très très multicolore et ça peut être intéressant pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui aiment bien le multicolore, voilà, donc vous voyez bien, c'est multicolore quoi, tout simplement. Donc ça c'est pour les maisons, donc je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça fait quand il n'y a rien. Voilà, quand il y a rien, c'est vide comme ça. Voilà. Quand j'aurai un trépied, ce sera bien. Je pourrais peut-être tenter de faire des petites aventures comme ça pour le LOL. Quand je joue pas des petites aventures, c'est plutôt des aventures de construction. Donc c'est pas des aventures, c'est plutôt des constructions avec Manbot et World Edit. Comme ça, vous verrez un peu ce que je fais en termes d'idées. Des aventures, c'est sous Minecraft l'autre. C'est vrai qu'en termes de shader, c'est beaucoup mieux avec celui-ci, je confirme. Mais bon, voilà. Donc, pour commencer, ben, comme il y a déjà un souci. Il y a déjà un souci avec 1. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, on va commencer. Par supprimer ce truc là parce que c'est dérangeant, ça sert à rien parce qu'il est raté. Donc pour ça, il faut que j'aille sur le sol si je m'en souviens bien parce qu'il y a un niveau pour éviter de monter trop. Donc ici, vous êtes obligé, vous êtes s'il me semble, vous êtes obligé d'aller sur un bloc pour faire la suppression, sinon ça supprime une partie du sol avec. Donc voilà, ici vous voyez, je vais pour utiliser Word Edit, il faut faire comme ça. Donc dès que vous avez fait, vous êtes placé où il faut, vous faites ça. Donc il faut suivre comme ceci. C'est marqué que la sélection a été faite à un certain point. Vous revenez en arrière. Vous êtes obligé de mettre comme ça hein, en veille pour faire le start et tout. Hein. Parce que sinon ça marche pas, ça ne fonctionnera pas du tout. Ça va foirer, ça va pas fonctionner, vous allez vous dire. Parce que ça coûte au moins 4 € hein, quand même celui-là. Le Word Edit, lui, il coûte pas 1,06 €, hein, il coûte vraiment 4 € et je peux vous dire que j'ai acheté parce que je voulais trop. Il y avait des bonnes notes. Donc je me dis ça doit fonctionner s'il y a des bonnes notes. Et en effet. Et au début je peux vous dire que je galérais. Hein. J'ai même à un moment dit j'avais fait un message comme quoi ça fonctionnait pas parce que j'y comprenais rien. C'était juste parce que j'étais un peu nul. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que même moi j'ai fait l'erreur. Et pourtant, il faut éviter ce genre de message quand on n'est pas sûr et quand on manie mal quelque chose. Enfin voilà quoi, c'est vraiment pour vous dire que j'ai fait une grosse gourde. Donc vous montez tout en haut.
C'est long. Très très long. Sur l'avenir, il faudrait. Donc voilà, vous allez voir ça disparaître. Donc je vous laisse à quelques instants pour regarder bien l'objet parce que c'est assez marrant. Pour ça, il faut que je fasse AND. Je vous laisse encore un peu regarder. Donc regardez, l'objet est là. Donc tout ça va disparaître. Tout ce bloc-là va disparaître. Il faut quitter la partie. Quand vous avez quitté la partie, vous appuyez sur le V. Ça marque Finishing Delecting machin sélection. Puis vous rentrez et ça a disparu. Et je ne sais pas si j'ai fait une gaufre parce que je vois qu'il y a une partie de sol cassée. Et non, ça a bien fonctionné. C'est juste qu'avec avec le pack de texture que j'utilise, ben ça fait bizarre. Et sinon, c'est bon. Tu peux avancer. Voilà, comme vous voyez, ça fonctionne bien. Word Edit n'est pas. Après, pour nettoyer ou recommencer tout, vous faites clair. Ça veut dire vider le truc pour recommencer si vous voulez faire d'autres sélections. Ce que ça, il faut préciser. Le préciser. Quand vous avez fait Start, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour tout pareil. Donc, quand vous faisiez Start, je rappelle bien parce que j'ai vu qu'il n'y a aucun tuto sur ça. Quand vous faisiez Start, il faut pas le faire comme ça en étant en dehors, ça marchera pas. Vous êtes obligé, donc je remets normalement, vous êtes vraiment obligé de mettre comme ça à l'écran, pas quitter l'écran, tout simplement à l'écran comme ça, titre du menu du jeu, à l'écran du menu du jeu, faire Start, hop, puis seulement vous reculez. Puis vous allez à un autre endroit pour sélectionner, mais bon, ça, là on va rien faire parce que j'ai rien à faire. Puis vous allez vous appuyer sur AND pour la sélection faite. Puis vous quittez le menu. Puis vous appuyez sur V. Bon, moi je vais pas le faire parce que sinon ça va supprimer le sol. Bon, je peux vous le montrer malgré tout hein, si vous voulez. Voilà, donc j'ai fait la sélection là, comme vous le savez. Regardez qu'est-ce qui va se passer si je confirme. Bon, déjà, si je le fais là, il va me marquer un truc. Regardez. You must opted Word Order to Edit. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en France, en anglais. Mais en tout cas, je sais que ça veut faire comprendre qu'apparemment, ça a un rapport à quitter le menu et à aller dans le menu. Et dès que vous allez dans le menu et que vous appuyez sur OK, d'ailleurs après je vais faire clair, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ça, pourquoi après il y a ça. Et ben voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça m'a fait un gros trou, un petit trou pas trop haut, mais voilà, ça m'a fait le trou là parce qu'il faut se mettre sur un bloc d'un d'auteur pour faire la suppression de votre objet, sinon ça va creuser d'un de bas. C'est comme ça. Ça le dit en fait dans le truc, hein, mais autre part. Donc je vais vous montrer. Donc déjà pour ça le clair sel c'est normal, c'est pour pouvoir refaire des choses à zéro parce que sinon ben si vous déjà vous savez pas, vous êtes obligé de faire clair pour remettre à zéro tout et tout se remet à zéro que ce soit n'importe où. Donc je vous explique ici, il vous explique le mec, le gars, regardez. Là. Vous voyez le personnage qui est sur un bloc. Il explique qu'il faut le mettre sur un bloc. Et c'est même pour le reste. Donc là, c'est plutôt pour autre chose encore. Mais c'est quand même. Non, mais je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Voilà. On supprime. Hop. Donc on recommence. Donc je vous ai montré ça. Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais re-remplir tout. Donc pour re-remplir tout, je vais faire fil. Vous connaissez ce nom-là, hein? Fil. Donc pour fil, c'est simple. Là, vous ne devez pas monter de bloc, ça va, il n'y a pas de souci. Vous vous mettez là, vous faites comme j'ai dit, hein, start. Hop, vous avancez. Hop, vous mettez bien là. Voilà. Vous mettez bien là, vous faites AND. Ah, là j'ai fait une bêtise les gens. Donc ça va pas marcher. Donc, on recommence de 0. Start. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de passer par le tout. Hein. Pas obligatoire.
Vous allez comprendre pourquoi je vais vous expliquer comment ça fonctionne en fait. Là, c'est bon. Vous êtes bien mis. Vous faites and. Maintenant, il va vous demander de sélectionner un bloc, un nouveau bloc. Donc, vous sélectionnez. Enfin, normalement, il demande. Donc, par exemple, ici, je prends ce bloc-là. Donc, je ne sais pas si je me suis gouré. Si ça se peut, ça va être un autre bloc. Vous devez quitter. Vous devez appuyer sur V. Voilà. Et ça va, je ne me suis pas gouré. Et ça a re-rempli le sol, tout simplement. Alors, je vais vous expliquer le principe du truc de bloc. En fait, c'est comme sur l'ordinateur. Regardez, je vais vous expliquer parce que c'est peut-être certains ne comprennent pas. En fait, quand je mets un point de marque, il y a un truc qui détecte et qui fait comme ça. Vous voyez, en fait, mon personnage, quand il avance, ça fait ça. Ça prend un carré de distance et dès qu'il marque de l'autre côté, ben le personnage ou le robot ou le Word Edit prend en compte et c'est ce qu'il doit supprimer. Donc, par exemple, si sans faire exprès vous faites ça et que vous allez comme ça et puis comme ça change rien parce que ça fait comme ça le truc en fait. Ça enregistre comme ça. Ça fait par étape, vous voyez. En fait, c'est comme ça que ça marche les sélections de carrés. Donc, si vous allez comme ça tout droit, ben, ça va faire toute une zone droite, etc. Donc voilà, comme ça vous savez comment ça marche. Donc c'est normal que quand vous voulez sélectionner un building, eh ben, pour le supprimer, vous allez dans un bloc d'hauteur comme j'ai dit. Et hop, vous allez vers le haut pour sélectionner la hauteur, bien sûr. Mais le reste, il suffit de bien mettre de l'autre côté pour que ça fasse comme ici. Pour que tout soit sélectionné. Et dès que c'est enregistré, ça supprime. Et c'est principalement le même pour tout le reste. Voilà, ça c'était pour être sûr que vous sachiez parce que il me semble qu'on ne l'explique pas assez bien. Donc comme vous avez compris, ici quand je me suis mis là et jusqu'à là-bas, ben, ça a créé un carré tout simplement. Donc j'espère que vous avez compris et si vous n'avez pas compris, ben, j'en suis navré. Je fais de mon mieux pour expliquer parce que j'ai vu que moi au début je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Je me dis ok c'est cool mais j'ai pas tout pigé encore, comment ça fonctionne. Donc voilà, comme ça, au moins avec moi, vous savez comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire un truc. Je sais pas. N'importe quoi. Je vais vous faire un bazar. Je vais peut-être couper. Bon, on fait n'importe quoi. On s'en bat les cacahuètes. Parce que je peux pas faire quelque chose comme je suis. Attendez. Il est temps que je m'achète un trépied. Hein. Bon, je sais pas moi. Ouais, allez. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Hein. Je regarde au niveau du truc, mais je sais pas du tout qu'est-ce que je fais. Ça va être du caca en boîte. Voilà, c'est ça. Fais-moi ça. Allez, hop. Mais un petit mélange assez sympa. Avec un petit soupçon de d'amertume. Et voilà, ça ressemble à rien, ça sert à rien et principalement. Mais voilà, c'est pour la démonstration parce que je vais pas commencer à faire des trucs de tarlouze. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer avec un autre pouce d'arbre. J'ai dit pouce d'arbre, imbécile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer là. Non, j'ai dit fermer, imbécile. C'est pas pratique. Bon, pour ça, il n'y a pas d'enregistrement. Hein, donc, vous ratez, vous commencez, et puis c'est bon. Hein, il faut pas se casser la tête. Si je fais ça, c'est pour parce que après, ça va créer un sol en fait. Et du coup, ça va être assez pratique.
Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Du coup, je vais faire. Puisque ça va être en hauteur, il faut une quand même qu'il y ait un passage. Oui, si tu veux. J'aurais préféré dans l'autre sens quand même, mais bon. Ouais, dans l'autre sens. Ah non. Voilà. Tout dans le sens là, chérie. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais à votre avis? Là, je fais n'importe quoi déjà. Là aussi. Voilà. Ça y est. J'ai réussi. Je vais mettre légèrement haut, question de sécuriser ou je remplirai après au cas où, on ne sait jamais. Maintenant, il me faut. Donc, on terminera peut-être là-dessus, je sais pas. Maintenant, il me faut. Il me faut. Il me semble. Non, c'est rien, j'ai rien dit. Il me faut. Il me faut quoi en fait? Parce que je sais plus. Et c'est des GSL, les gens. Vous avez pu me dire qu'il me fallait des GSL, voyons. Non, je déconne. Les gens, il est con ou quoi, ce mec? Comment veux-tu qu'on te dise hein? Mais je m'en fous, c'était comme ça, et puis c'est tout. Non, je déconne. Oui, mais c'est normal que vous avez rien à dire. Mais vous avez rien à dire puisque vous êtes pas chez moi. Mais bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de blagues débiles et mongoles, donc je le fais aussi. Je suis débile, je sais. Bon, voilà, ça ressemble à rien, c'est moche. Mais voilà, on s'en bat les cahuètes, on va le but c'est de multiplier, donc. Donc, n'oubliez pas de vous foutre sur un bloc, ou pas, je sais plus. Ouais, c'est ça, il faut vous foutre sur un bloc. Ce bloc-là. Donc, je vais mettre le bloc à ce niveau-là. Voilà. Non, j'ai fait n'importe quoi en fait. C'était bien ça. C'est bon, là, il est bien. Il faut, comme je vous ai dit, c'est le principe du carré. Donc il faut bien regarder où vous mettez votre bloc. Donc ici, il est bien mis. Voilà, donc c'est bon. Alors je vous explique pourquoi il faut mettre un bloc dessus. Parce que le bloc va faire que ça va pas prendre la terre avec. Parce que sinon ça va prendre la terre avec. Donc il y aura un peu de terre en plus. Ça va faire une plateforme carrée. Enfin voilà, ça va faire la sélection en plus. Donc il faut aller légèrement vers le dessus pour que ça sélectionne. Comme je vous ai dit, il y a un espace de dessus. C'est comme ça. Et puis voilà quoi. Donc ce que vous faites à ce moment-là, c'est ça. Et connard. Voilà, start. Là, vous volez vers le haut. Oui, mais c'est bon là, c'est assez haut. Là. Tension, là, il faut faire une manœuvre parce que sinon ça ne va pas aller. C'est que déjà en fin de compte, on va supprimer ça. Ça ne servira à rien. C'est qu'il faut que vous mettez un truc là. Non, pas ça. Expliquer pourquoi après on retirera, mais il faut obligatoirement que vous mettez un bazar là pour faire le copier-coller, sinon ça va pas aller. Comme là, je suis mamie, donc ça va pas aller. Si j'y arrive, on me donnera un truc d'honneur. Ouais, j'ai réussi, les gens, vous me devez 1000 euros. Non, je connais. Voilà. Bon, on s'en fout de l'échelle, hein, on s'en bat les cacahuètes. Donc à ce moment-là, vous faites AND. À ce moment-là, vous ne devez pas bouger, vous devez juste quitter le truc, appuyer sur V. Et rejoindre. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Ça a été multiplié. Alors, voilà, à ce moment-là, vous faites ça.
C'est rien, genre. À ce moment-là, vous faites ça. Je regarde bien si c'est bien fait. Et voilà, les gens, c'est multiplié. Bon, c'est un peu bordel, je sais pas pourquoi. Ah oui, ok, c'est ça. Mais regardez par vous-même. C'est multiplié. Bon, là, je fais n'importe quoi parce que je suis perdu. Je vois pas bien, en fait. Non, non, c'est bon, j'ai pas fait n'importe quoi. Enfin, vous voyez bien, ça a été multiplié tout simplement. C'est ce qui compte, hein. Donc voilà, c'était le tuto de vidéo que je voulais vous faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que j'ai peu d'espace dans mon GSM. Et je vous dis, bye bye, c'était Lumi 13.